each one of you up here, in order to perform for us. Such a great talented musician, please. Je veux remercier aussi la Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne pour que notre musique à nous, composition de la nouvelle ère, et aussi les œuvres des compositeurs précédents puissent être jouées, entendues par vous. Par vous. Ce que nous faisons, c'est pour vous, nos compatriotes. Et nous voulons aussi partager avec le reste du monde ce que nous avons. Nous avons parlé d'Haïti comme la première, comme le premier pays indépendant sur cette planète. Mais encore, on ne connaît rien vraiment de nous. Et avec la musique, nous pouvons démontrer et nous pouvons partager ce que nous avons dans notre âme. La pièce. Ils vont jouer deux pièces. La première s'intitule String of Change. Cette pièce a été écrite à partir d'une vision. Je suis de ceux qui croient qu'il nous faut d'abord une révolution culturelle en Haïti avant une révolution politique. Nous devons redéfinir l'haïtianisme tout en incluant la diaspora haïtienne et cette fois-ci sans aliéner la paysannerie. Parce que moi, je crois fermement que les paysans, que nos frères et sœurs haïtiennes, nos paysans, sont les vrais détenteurs de notre âme collective. Et ce, que ce soit la langue, que ce soit la foi qu'ils ont dans le vaudou, et que ce soit ce pays, ils l'ont conservé pour nous. Vu que nous soyons, beaucoup d'entre nous, à l'étranger. Cette pièce aussi, je la propose comme le thème de cette révolution, car j'ai écrit l'imminence d'une révolution culturelle en Haïti, notre pays. Ce texte est disponible en ligne si vous voulez le lire. Je n'ose pas dire que je suis l'un des meilleurs patriotes haïtiens, bien que je sois aujourd'hui un citoyen américain d'origine haïtienne. Cette pièce aussi a été inspirée par deux événements. Le meurtre de George Floyd, que le monde entier a pu voir en télé, à la télé, et aussi ces divers événements qui déchirent, ces guerres qui déchirent le monde, il faut que nous acceptions notre humanisme, notre humanité. Il faut partager cette humanité, cet humanisme, pour que nous comprenions vraiment que nous sommes tous des frères, quelle que soit la couleur de notre. Et la deuxième pièce, musique de ma foi, encore, c'est pour montrer cette conviction que nous aussi nous avons une culture. Comme je l'ai dit dans plusieurs interviews, je ne vais pas dénier cette symbiose culturelle qui existe entre nous et les Européens. Mais étant donné que nous sommes devenus indépendants très tôt, nous avons notre propre vision. Mesdames, messieurs, merci d'être venus ici. Pour écouter ce que nous, compositeurs haïtiens, nous avons à vous offrir à partager avec le monde. Merci.
Thank you.